ce lac est un peu secret, caché, ceinturé par de la végétation sauvage. Ce que j'appelle moi des maremmes, hein, c'est-à-dire des lieux à la fois humides et végétalisés. Donc c'est un lieu qui se mérite, qui n'est pas tellement accessible, avec ses levis également, dont le niveau varie avec l'eau. Donc c'est un marais un peu comme celui de Sologne, qui a généré énormément de récits merveilleux. Je m'appelle Gilles Perraudeau, donc j'ai eu l'occasion, depuis quelques décennies, de collecter la tradition orale tout autour de grands lieux, pour lesquels donc j'ai publié un certain nombre de choses, voilà, d'ouvrages, de contes, mais aussi des romans, de l'histoire, et voilà. Il y a sur Grandlieu, autour de Grandlieu, au-dessus de Grandlieu, du fait de cette espèce de grand miroir d'eau, il y a une propagation donc des sons qui se fait, et il y a aussi le passage d'un certain nombre d'oiseaux, en particulier donc les grues et les oies en hiver, au début de l'hiver, et ces bruits des oiseaux mal identifiés a généré un imaginaire un peu terrifiant. Et ces bruits qu'on entend, est-ce que ça serait pas, et ça on le disait volontiers au 19e, est-ce que ça ne serait pas les âmes en peine, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas en enfer, évidemment, en enfer, ils y sont et ils y restent, hein, on peut rien pour eux. Est-ce que ça ne serait pas ceux qui, n'étant pas entrés au paradis, sont au purgatoire et sont en attente des vivants, ils sont en attente de prières, de messes, pour les sortir du purgatoire et les faire entrer enfin au paradis où ils auront le repos de leur âme. Le purgatoire est une chose qui a été inventée par l'Église donc, au Moyen-Âge, évidemment, et donc le clergé a beaucoup utilisé donc le purgatoire comme moyen de, évidemment, de faire dire des messes et de faire vivre l'Église. À Grandlieu, évidemment, mon témoin, Monsieur Douault, me dit: « Oh, mais nous, c'était la mère Voyette qui racontait ça avant la guerre 39-45, mais nous, on savait bien que c'était pas ça. On savait bien que c'était les oiseaux qui, à l'automne, dans la migration, venaient du Grand Nord et puis ils s'en allaient vers le sud de l'Espagne ou le nord de l'Afrique. Hein, voilà, cette interprétation, cette rationalisation de la pensée magique donc, et religieuse, cette rationalisation, on a commencé à la faire sans doute avant la Révolution. Hein, déjà, il y avait cette interprétation par les oiseaux. Le lac de Grandlieu est mystérieux dans son origine, dans sa forme, dans la présence de mégalithes, par exemple, autour de Grandlieu, dans la présence de forêts profondes à l'époque des origines. Donc voilà pourquoi le lac de Grandlieu repose sur une légende très importante que l'on retrouve aussi ailleurs en Armorique sous d'autres formes, la légende de l'engloutissement de la cité d'Herbauges. Je suis Dominique Pirlet, de formation d'historien, et j'ai particulièrement travaillé sur l'histoire des paysages et l'histoire de l'eau, notamment à partir de cet exemple du lac de Grandlieu. Herbauges, à l'époque carolingienne, c'est le nom du pays qui est directement situé au sud de la Loire et qui s'étend jusqu'au Lay, c'est une rivière dans les Charentes. Et ce comté d'Herbauges, c'est en quelque sorte le rappel d'une origine ancienne du pays. Et cette ville d'Herbauges a été engloutie. Alors pourquoi? Alors ce processus de construction de la légende, il est en trois phases en quelque sorte. Et tout s'imbrique pour faire la légende telle qu'on la connaît aujourd'hui. D'abord, il faut rappeler qu'à l'époque néolithique,
Il y a une forêt primaire qui ceinturait le lac de Grandlieu, qui a été prise par les eaux suite à un relèvement du niveau de la mer, et cette forêt a disparu. On en retrouve des traces dans la tourbe aujourd'hui sous forme de mortard, c'est-à-dire un bois fossilisé assez dur, et qui rappelle justement la présence de cette forêt. Mais il faut dire que pour les gens du néolithique, la disparition de cette forêt, même si ça ne s'est pas fait en une ou deux années, mais en quelques générations, eh bien, a été pour la population de ce lac comme la disparition d'un monde. Un engloutissement, une disparition, les arbres à l'époque néolithique, c'est aussi ce qui fait la relation avec l'au-delà. Donc tout cela, ça avait un caractère sacré en quelque sorte. Il faut se reporter pour une deuxième phase à l'époque de la première évangélisation du pays de Ray au VIe siècle, avec Saint Martin, notamment Saint Martin de Vertou, qui a évangélisé les régions de ce secteur-là. Et Saint-Martin de Vertou a été confronté à beaucoup de difficultés pour amener les païens d'Herbauges à l'évangélisation, au catholicisme. Il s'en est plaint durement et il a été malmené. Et c'est parce que la population refusait d'écouter son message qu'il aurait provoqué l'engloutissement de la ville d'Herbauges. Et là, il reprend le site du déluge ou la légende de Sodome et Gomorre dans la Bible. Effectivement, à l'époque de Saint-Martin de Vertou, avant et après, on s'aperçoit qu'il y a eu une série de catastrophes, de cataclysmes qui sont rapportés dans les archives, et tempêtes dévastatrices, vents violents, séismes, etc. Donc tout cela, ça a provoqué la formulation de cette légende de ville engloutie. À partir de la première légende du monde perdu, de la forêt disparue, on a recréé une nouvelle légende de ville engloutie, de la ville d'Herbauges engloutie, pour punir la population. Jusqu'à la fin du 19e, on croyait encore à l'engloutissement de cette ville. On voyait des substructions, des murs, sous les eaux, mais le lac était peu profond, néanmoins, et on disait que c'était les restes de la ville. Il a fallu quand même attendre 1890 pour que des scientifiques avérés et puis crédibles aient pu dire qu'il ne s'agissait absolument pas de la ville engloutie, mais de restes de pêcheries du Moyen-Âge, et que c'était une légende de parler de cette ville engloutie. Sur lequel est bâti l'imaginaire de Grandlieu, ce sont essentiellement au départ donc des récits légendaires qui mettent en scène des géants. Gilles Perraudeau. Ce sont probablement des choses pré-chrétiennes et sur lesquelles donc on a brodé ensuite, parce qu'une légende c'est pas quelque chose qui est figé une fois pour toutes, hein, ça change beaucoup. Mais les premiers éléments, hein, ce sont les géants. Il y a au moins, il y en a un qui est bien connu, c'est Gargantua, et qui n'a rien à voir à Rabelais, avec Rabelais lui-même, puisque c'est antérieur donc à Rabelais. Et là, j'ai le témoignage de M. Clavier à Saint-Philbert de Grandlieu, qui racontait cette légende en 1980. Donc c'est Gargantua qui était en train de manger du pain, et puis à mesure que les pains sortaient du four, il mangeait les pains, et puis après, tout d'un coup, il dit « j'ai soif ». Alors il est parti boire dans le lac de Grandlieu, il avait mis un pied sur le clocher de Saint-Philbert, l'autre pied sur le clocher de Machecoux, ils étaient assis sur le clocher de Pau, et puis ils buvaient. Et il y avait un bateau de passet qui était resté sur le lac, ils étaient à la chasse. Ils tiraient des coups de fusil, et ben, il l'avait bu aussi, Gargantua. Alors tout d'un coup il dit, j'ai trop bu. Alors, après il a eu mal au ventre. Alors il est allé poser culotte, il en avait fait un tas, mais un tas, mais un tas, il y avait de quoi fumer 3 journaux de terre. Là, il ne s'agit pas évidemment de la formation du lac, puisque le lac, là, il est déjà formé. Mais c'est la présence sympathique de Gargantua. Mais avant Gargantua, il y a un autre géant qui
qui est extrêmement intéressant, qui lui n'est pas un récit oral parce que je ne l'ai jamais recueilli, c'est un texte du XVIIIe siècle, qui est connu d'ailleurs, qui a été publié et que je dois avoir ici sous les yeux. Il met en scène le géant de l'île d'Ain. L'île d'Ain, donc D-U-N, qui se trouve aujourd'hui à Saint-Aignan-de-Grandlieu. Et qui dit ceci. Donc là, c'est plus littéraire, hein. Évidemment, c'est pas du l'oral direct. À la pointe du lac de Grandlieu, à 700 ou 800 toises de sa rive, près de Saint-Aignan, se trouve une petite île sablonneuse de figure à peu près ronde. Elle se nomme l'île d'Ain. Il y a au milieu une pierre debout d'environ 5 pieds de hauteur, sur 2 à 3 de largeur à sa base. Cette pierre paraît profondément enfoncée en terre et elle est percée d'un trou rond. Elle sert à boucher l'entrée du gouffre qui a vomi le lac. Ce gouffre renferme un géant énorme qui, par les efforts qu'il fait pour se libérer de sa prison, excite les tempêtes sur le lac. Il doit rester enfermé jusqu'à ce qu'une jeune fille vierge puisse envelopper cette pierre. Il devra pour cela passer le bras gauche dans le trou de la pierre et pratiquer un nœud coulant qu'elle tâchera de passer au cou du géant qui, ainsi lié, deviendra souple et qui plus est fervent chrétien. Alors, plus une tempête à craindre. Alors là, on a un texte donc plus ancien et qui est extrêmement intéressant. On y retrouve un géant qui est une sorte de divinité ou de démiurge, comme on veut, une divinité des eaux souterraines, comme il y en avait dans la mythologie gauloise et pratiquement dans toutes les mythologies. Sauf que là, à la fin du récit du 18e, là, il y a la vestale chrétienne qui apparaît et qui, en quelque sorte, donc, introduit la seconde étape dans ces récits de fondation du lac. Après Gargantua, après le géant de l'île d'Ain, après les géants de corps, arrivent les géants de l'âme, c'est-à-dire les saints. Donc, Saint Philbert au 7e, mais avant, le fameux Saint Martin de Vertoux, dont on ne sait d'ailleurs pas grand-chose d'un point de vue historique, mais c'est lui que l'on retrouve dans la légende, la fameuse légende d'Herbauges englouti, que j'avais recueillie, moi, donc, dans les années 80, au poète de Madame Clénet, donc à la Chevrolière, et qui disait ceci. Ben, c'est Saint-Martin qui est envoyé par l'évêque de Nantes pour convertir les gens de la ville d'Herbauges qui était à la place du lac. Mais il se fait bien mal recevoir par les gens d'Herbauges. Il est quand même reçu par une famille chez qui il s'endort. Et en rêve, le bon Dieu l'avertit qu'il va punir Herbauges en l'engloutissant. Mais il lui dit quand même d'emmener Romain, celui qui l'a reçu dans sa maison, et toute sa famille, mais en leur interdisant de se retourner au moment où le déluge s'abattra sur le lac. Alors, ils sont partis à toute vitesse. Et au moment du déluge, la famille se retourne. Et ils sont transformés en pierre alors que la ville est engloutie. Les fameuses pierres, elles existent toujours. Ce sont les dames de pierre, trois menhirs qui se trouvent dans la campagne de Pont-Saint-Martin, exactement. En ce qui concerne le cheval malais, donc là on a un récit légendaire, mythologique, qui est très connu dans tout l'ouest de la France et même au-delà. Il s'agit toujours effectivement de ce cheval qui emporte sur son dos, qui emporte à la mallette, c'est-à-dire sur le dos. Il emporte donc quelqu'un, un voyageur égaré le soir, et il disparaît, on ne le revoit plus. Il y a une variante de cette thématique, du cheval maléfique,
cheval noir. Il y a une variante dans le musée des Beaux-Arts de Nantes, c'est la ballade de Lénore. C'est un beau poème allemand de Bürger, donc un poète pré-romantique allemand qui écrit cette ballade de Lénore. Et le tableau est au musée des Beaux-Arts, donc vous voyez ce cheval noir, le cavalier noir, le cavalier sombre est casqué, sous les sabots du cheval, donc des étincelles, et il emporte la fiancée de blanc vêtu. Le cheval malais est un cheval fabuleux et maléfique, réputé apparaître à la nuit tombée. Soigneusement scellé et bridé, il persuade les voyageurs épuisés de monter sur son dos. Sitôt fait, l'animal part au galop comme un ouragan déchaîné. Et la funeste chevauchée s'achève toujours par la mort du cavalier, à moins qu'il n'ait sur lui la rançon du voyage. Alors au choix, jeter 6 pièces de monnaie marquées d'une croix pour le stopper, effectuer le signe de la croix, utiliser de l'eau bénite ou un sou marqué, posséder une médaille de Saint-Benoît appelée Croix des sorciers pour contrôler le cheval ensorcelé, ce fameux cheval maléfique. Comme tous les sites lacustres, effectivement, on imagine bien un paysage inquiétant avec ses brumes, avec ses orages, avec ses nuits noires, avec ses cris de chouette ou je ne sais quoi. Effectivement, tout ça, c'est propice à l'alimentation des légendes autour du lac. La rationalisation donc de ces pensées-là, de ces récits mythologiques, la rationalisation par l'ornithologie, par l'appel aux oiseaux, ça me paraît très, très justifié. Mais en même temps, pour moi, ça va beaucoup plus loin, parce qu'en fait, ça illustre un schéma mental qui est beaucoup plus ancien, beaucoup plus large. C'est finalement, dans l'histoire des hommes, c'est la rencontre entre ce qui est mobile et ce qui est immobile, la rencontre entre, moi je symbolise ça en disant c'est la rencontre entre la horde qui passe, quelle qu'elle soit, hein, humaine, animale, fantastique, et le hameau, c'est-à-dire ceux qui sont scotchés alors quelque part, dans leur bourg, dans leur village, dans leur ville, donc tout ce qui passe, on peut faire de la sociologie très actuelle avec ça, la horde et le hameau. C'était Sous le lac de Grandlieu, les légendes, avec l'écrivain Gilles Perraudeau et l'historien Dominique Pirlet. Réalisation Aurélien Frances. Production Silence Podcast.